Lenko qui peut capturer le polo encore pendant 9 secondes. Faut aller chercher le kill, Lenko. Et voilà, Hip qui fait la deuxième touche et Hip qui fait la troisième touche sur Anko. Et du coup, on repasse à un score de 11 partout hein, sur cette première map de finale de cette Night Cup numéro 25 de la ESL. J'ai plus ton stream là, ESL. Ah, ça y est. Allez, Hip! Essayer de choper SLK. On est calé sur Soon, c'est pas encore pris. Anko qui est redescendu. Maintenant on passe sur les foncières pneu mobile. On est à 5 secondes avant l'emprise du pôle maintenant. Il va falloir faire un kill là pour bien démarrer. Il va tenter une cape quand même. Ça passera pas là le petit bump. Un point d'armure là pour prendre la distance maintenant. Allez, c'est dur, c'est dur. C'est dur là pour Hip qui a tenté quand même la cape et s'est fait vite rejeter. Allez, 12 à 11, toujours très 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 serré entre Playmobil et Pyrogène pour la première map. Et du coup on repart avec SLK maintenant. Toujours avantage hein, pour les Playmobil. SLK qui va chercher Hip et c'est pris sur Hip. Hip qui a fait son taf, qui arrive à toucher SLK quand même. Et du coup on repasse avec deux points d'armure pour deux défenseurs. Et Redou qui met la très bonne roquette sur SLK. SLK qui a plus qu'un point d'armure maintenant. SLK qui fait très beau kill sur Redouk. SLK qui fait un peu du je sais pas quoi. Allez, SLK contre Frasken maintenant. Le pôle qui peut être capturé encore pendant 10 secondes. SLK qui fait le kill sur Frasken et du coup la première map qui est remportée par les Playmobil sur un score de 13 à 11. Première map de ce BO3 et franchement j'ai cru qu'elle était interminable. Ouais, c'est bien joué de la part de Seta. Il a mis fin à cette map et on passe sur Valais. Bonne nuit à toi, IM. Allez, Soon pour la team Playmobil. On est sur Valais. On a un joueur à la grille du côté Pyrogène, un joueur sur le top et un joueur couloir. Le type de pause que voilà que tout le monde fait en ce moment et c'est bien vu pour l'instant. Hip qui fait la triplette, le bon décal de Hip, un coup de stamina et on n'en parle plus de Soon. La petite triplette qui marche bien et qui met très bien les Pyrogènes, le premier round qui est remporté. Allez, du coup on est parti avec Hip maintenant. Allez, Hip cherche l'ouverture de ce round pour le moment. Oh là là, quelle triplette de Soon sur Hip. C'est directement la punition sur Hip. Soon qui a très bien défendu sa grille. Et du coup, on passe un score de 1 partout pour le moment. C'est un peu la vengeance hein, du round d'avant. Allez, Unko. Va tenter d'aller chercher Redouk sur le top. Il est descendu de la part de Redouk. Allez, c'est dommage pour Unko qui se prend la première enquête de Frasken. On a une bonne couverture là de Frasken sur Redouk. Il pour Unko. Redouk qui met la doublette.
Allô, je ne t'entends plus, TX. Ah, mince. Ah, j'ai eu un bug. T'as coupé au plein milieu, non? Non, non, juste, t'as dit un mot, en fait, juste à la fin, quand il s'est fait toucher, et puis après, j'ai plus entendu la fin, en fait. Ah, c'est ça. Pardon. Eh, du coup, on est avec Frasken. Frasken qui fait se toucher une première fois par SLK, une deuxième fois par Soon. SLK qui se trouve sur le pad, tout en haut. Allez, Frasken, il reste plus qu'un point d'armure. Cherche le kill sur Enko, ça ne passe pas pour le moment. Et Frasken qui se fait pulvériser par SLK sur le pad. Et ouais, SLK qui se trouve encore une fois sur le pad. Et dès qu'on approche de ce pad, c'est directement le shoot assuré. Et du coup, on passe à un score de 2 partout. Ah, le pad qui permet une bonne couverture hein, sur la droite de la map. À la gauche pour les attaquants. Allez, c'est le cas. Tenté, c'est bien vu sur Hip. On a fait le bon move. Pas d'accélération. Bah, si on va avoir le backup de Redouk. Maintenant, pour aller sous Tarfrasken. C'était faire hein, sans qu'on puisse le voir. Frasken qui met ses premières roquettes. C'est bien défendu de la part de Frasken pour l'instant. Shot des SLK, petit décal, ultra rapide. Allez, duel maintenant, Raidou contre SLK pour la première attaque peut-être. Et non, Raidou qui va défendre extrêmement bien son pôle. Et toujours pas d'attaque de mise sur Valet. Deuxième map donc, hein, les Playmobil qui ont remporté cette première map. 3 à 2 pour l'instant. Allez, justement, on est parti avec Redouk qui a très bien défendu son pôle tout à l'heure. Va-t-il faire pareil, oreille? Allez, Redouk qui fait le premier kill sur Soon. C'est peut-être l'ouverture de ce round pour Redouk. Allez, l'épaule qui peut être capturée dans 15 secondes maintenant. Allez, SLK qui est toujours sur le top. Unko qui fait la première touche, va directement agresser Unko. Redouk, pardon. Allez, le pôle qui peut être capturé maintenant. Il reste SLK et Unko. Et le pôle qui commence à être capturé, pardon. Et SLK qui fera la deuxième touche. Et Unko qui fera la troisième touche sur Redouk. Et du coup, on repasse avec un score de 3 partout. Allez, qui va craquer en premier? Playmobil ou Pyro sur cette map? La bonne requête de Frasken. Allez, Soon qui va directement sur Redouk. C'est bien cover par les roquettes. Il y a pas d'armure déjà pour Soon. Il reste encore 20 secondes. Allez, c'est pas pris là sur Redouk. Il a fait une décale assez large. Et voilà, la roquette bien placée. Le bon pré-shot. Pour l'instant, qui ont toujours l'avantage avec 4 à 3. Vakiro, pour répondre à ta question, il faut vraiment que tu regardes les streams, faut que tu regardes les gens, comment ils jouent, etc. pour faire les moves dont tu auras envie. Il faut vraiment que tu trouves aussi ton style de jeu, on va dire. Et c'est à partir de ça que tu auras un bon move. Et du coup, on est parti avec Soon qui touche directement deux fois et SLK qui fait la troisième touche sur Hip. Puis aussi après il y a beaucoup d'informations entre coéquipiers, il faut avoir les bonnes positions, etc. Donc c'est vraiment un ensemble en fait qui fait que tu vas arriver à faire ce que tu veux. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est pas évident. Alenko sur le côté gauche, on a voulu attendre le petit décal, c'est dommage, ça aurait pu marcher. Qui passe à Redouk. Allez, c'est pas pris pour l'instant. On a plus qu'à 5 secondes maintenant. Redouk, il s'est concentré sur Redouk. Il y a un pari ici à l'avoir. Et on quête qui fuse sur Unko.
On a pris le kill sur Hip. Deux défenseurs maintenant, un point d'armure là pour Unko. Et c'est fait Frasken qui fait les deux bonnes roquettes. La bonne doublette. Pour en terminer avec Unko, on passe à 5 à 4. Toujours aucune attaque de mise. C'est très 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 serré. Ah, les pyrogènes qui sont chaud bouillants hein, ce soir. Ils veulent en découdre. Allez, on est avec Frasken maintenant. Allez, Frasken, hein, qui sait, il sait que SLK est en haut sur le pad, il l'a vu. Allez, Frasken qui va aller chercher Unko maintenant. Et la première touche de Soon sur Frasken. Unko qui fait la deuxième touche sur Frasken maintenant. Allez, un point d'armure pour 3 défenseurs. SLK qui est retourné sur son pad. Allez, Frasken qui n'arrive pas à faire le kill pour le moment. Et c'est le bump de la part des coéquipiers, etc. Ils se bumpent entre eux. Le pôle qui commence à être capturé. Allez, Rocket qui ne passe pas un des joueurs Playmobil sur Frasken. Et SLK qui arrive à faire la troisième touche sur Frasken. Et du coup, on repart avec un score de 5 partout pour le moment. Alors les Playmobil qui étaient en crossfire pour le bump de Frasken pour l'empêcher d'aller sur le ball. J'ai bien vu qu'ils avaient tiré tous les deux Unko et SLK sur le sol. Vraiment que Frasken ne passe absolument pas quoi. Allez SLK a pris là sur Hip, du coup c'est l'agression. Pour l'instant double roquette. Compliqué là pour SLK. On est tous regroupés derrière la grille maintenant. Il a vu un Hip était derrière et c'est la réflexion de Redouk. C'est bien vu. C'est bien vu. On est toujours à aucune attaque. 6 à 5 en faveur des prochaines. Et du coup on est parti avec Redouk maintenant. Redouk qui a tenté le kill sur Unko, c'est pas passé loin. Allez, SLK qui fait la première touche sur Redouk. Redouk qui fait le kill sur Unko. SLK qui fait les 3 touches sur Redouk. Et du coup on repasse avec un score de 6 partout hein. Regardez, regardez, il se réveille tout de suite les mecs quoi sur le chat. Allez mec quoi. J'y crois pas quoi. Et pour l'instant, c'est Aïp. Aïp qui a fait une espèce de pirouette là, je sais pas ce qu'il a fait. En dessous de Soon. Et c'est la triplette, ça a été très très vite. Une fois qu'on a accroché le joueur avec une roquette, il faut continuer. Il faut continuer l'agression. Et c'est ce que Hip nous a montré là. Très bien joué de la part de Hip. Sur Soon et toujours aucune attaque de mise. On passe à, justement à Hip. Et du coup la pirouette qui était disponible hein, sur la bêta de Shootmania, si tu te souviens. On faisait un saut en arrière comme ça là. C'était Kikou. Et du coup on a Hip qui s'est fait toucher une première fois par Unko. Hip qui fait tenter l'agression sur Soon. Soon qui riposte directement. Hip qui lui reste plus qu'un point d'armure là. Le pôle qui peut être capturé dans 9 secondes. Et voilà, Hip est très très mal parti là. Et Soon qui fera la troisième touche sur Hip. Et on est toujours sur un score de 7 partout quand même sur cette deuxième map. Allez Unko. La première touche de Hip, très bien joué. Ah, il va falloir la mettre maintenant, il va falloir mettre une attaque, creuser un petit peu plus que ça. Et Frasken qui met cette deuxième roquette. Allez, ça pleut des roquettes, hein. Redouk a déjà backup. C'est dur là pour Unko. On n'arrive pas à aller chercher le petit détail sur cette map. Ah, dommage là sur Redouk, c'était quasiment pris. Et Redouk qui met la bonne roquette. Dans les coronesses d'Unko.
Et du coup, balle de map hein, pour les pyrogènes. Et on est parti avec Frasken maintenant. Ah, Frasken qui loupe le kill sur Soon. Soon qui met la première touche sur Frasken. Allez, c'est le cas hein, qui se trouve en haut sur le pad, on le sait. Et Frasken qui va tenter l'agression. Voilà, j'ai eu un petit lag. Unko qui fait la touche sur Frasken. Il reste plus qu'un point d'armure pour Frasken maintenant. Allez, le pôle qui peut être capturé dans 4 secondes. Et voilà, c'est directement la punition de Soon sur Frasken. Et du coup, on repasse avec un score de 8 partout. Allez, c'est le cas. Pour les Playmobil, là, il faut mettre une attaque et une défense derrière si on veut gagner. Les premières roquettes de Hip. Hip qui met toujours les bonnes roquettes ici dès qu'on passe sur la gauche. Et ça défend vraiment très bien du côté pyrogène. C'est le cas, un point d'armure maintenant. Redouk a déjà back up, attention dans le couloir. Et pour l'instant, Redouk s'en sort plutôt bien. Et ça prend le kill. Le premier kill enfin. On a réussi à prendre Redouk sur son backup. Allez, Frasken qui est coincé sur la droite. C'est pas pris là pour SLK. Allez, bien joué le coup de rail. Maintenant face à Hip. SLK, un point d'armure. Le duel peut-être pour la première attaque. Et c'est fait. C'est fait, SLK qui met la première attaque. Crée la différence. Maintenant, les Playmobil qui sont sur une balle de match face aux pyrogènes. Et ouais, balle de match pour les pyrogènes. La bonne attaque est sortie au bon moment pour les Playmobil. Je pense que quand même les Playmobil ont eu chaud pour le moment. Et c'est pas fini encore, hein. Redouk peut toujours mettre son attaque. Justement, Redouk qui va chercher SLK directement. SLK qui fait la première touche. SLK qui fait la deuxième touche. Et SLK qui fait la troisième touche. Et du coup, ben, les Playmobil qui remportent cette Night Cup numéro 25 de ESL. Ah, vraiment les Playmobil qui sont invaincus sur la plupart des cups en ce moment. Vraiment faire quelque chose. Là les pyrogènes ils étaient bien partis pour essayer de contrer tout ça. Mais ça ne passera pas. Ah ouais, ils ont bien tenu hein. Ils ont bien tenu jusqu'à l'écart des 7K pour aller chercher une troisième map, mais du coup c'est pas passé. GG au Playmobil, vainqueur de la cup. Et voilà. Alors par contre, c'est pas été enregistré sur SL... Ah si, c'est bon. Voilà. Fin de cette cup. Avec encore Playmobil en finale. Toujours. Et j'attends impatiemment le moment où ils seront encore détrônés. Ouais, et du coup, le match contre iFocus RS Star, ça donne quoi? Ça doit être terminé. Est-ce que tu sais? Parce que je regarde sur ESL, le score n'a pas été mis à jour. Et je vois toujours aucune canne qui ne joue plus. Alors, on va essayer de demander. Ouais, merci à tous d'être là, d'avoir été là ce soir. La Pixel qui a commencé le stream sans moi. Et... on voulait tous vous remercier. N'oubliez pas de follow la chaîne, surtout, très important. Je vais mettre tout ça sur YouTube. Et désolé d'avoir mis la Lead Gamers en 8 parties. 7 ou 8 parties. J'avais pas trop le choix en fait là. Donc voilà. Ben là tu vas avoir droit à 3 parties je pense. Parce que c'est 3 parties de 1h50 à peu près. Ah bon? Ouais. Ah, ça fait des coupures toi. Ouais. Même si j'ai aucun drop d'image, en fait j'ai une coupure à partir de 1h50, 2h en fait, je vais avoir une coupure. D'accord. Ok. Bah écoutez, demain c'est la On Fire Cup demain. On Fire Cup, c'est ouais. C'est ça. Uniquement réservé aux Français. La cup réservée aux Français, pardon. Et du coup apparemment les iFocus qui n'ont pas joué la troisième place.
Allô? Ouais, ouais, bah, enfin, Ward il dit. C'est eux qui ont pas joué. C'est les Focus qui ont gagné. Ah. Ok. Bah, Ok. écoutez, bon podium. Et donc, on vous dit à tous à demain. Alors, je crois que c'est 18h demain, je crois. Non, Non? c'est la 20h? ESL Winter Series qui a 18h TX. Ah oui, c'est ça, ouais, je confonds à chaque fois. Mais écoutez, à demain 20h, alors pour la On Fire, on sera là, présent. Et voilà. Pas de soucis. Bien, ça termine assez tôt le mercredi, Ouais, minuit moins 20. pour une fois. Allez, passez à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et à demain. Bonne soirée à J'espère que vous vous. serez là, plus nombreux encore. Et ciao, ciao à tout le monde. Et ciao, 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 bisous tout le monde et portez-vous bien et à très bientôt. Ah, c'est les Focus qui ont forfait, d'accord. Donc c'est Red Stars qui est troisième. Mais tu le marques mal, ça! Merci Wardney pour les informations. Allez, bonne nuit tout le monde. Bisous, bisous. Demain, on se dirait des trucs, on va changer des trucs encore.